La retraite est une phase importante dans la vie de tout un chacun et que beaucoup appréhendent en raison d'un manque de visibilité sur l'avenir. Malheureusement, la grande majorité de citoyens marocains ne peut prétendre à ce droit, puisqu'ils sont seulement 24,5% de personnes âgées de plus de 60 ans qui disposent d'une couverture retraite selon les derniers chiffres de la CAPS. Par conséquent, pour survivre, cette catégorie dépend largement de ses descendants. Alors quel rapport avons-nous avec nos aînés? Quelles mesures prenons-nous pour garantir une retraite digne? Que fait le gouvernement pour élargir la couverture retraite à la population en âge d'en profiter? Et dispose-t-il d'une fenêtre de tir pour prendre les dispositions nécessaires? Autant de questions qui ont été abordées lors d'une conférence de presse organisée par la CDG dans le cadre du forum CDG Prévoyance sous le thème « Notre rapport à notre retraite et à nos aînés ». Le forum organisé aujourd'hui par la CDG, notamment par CDG Prévoyance, et autour d'une problématique qui me semble cruciale, importante. C'est justement la relation entre les jeunes, nous les jeunes, et la retraite, et également la relation avec nos aînés. Donc c'est une équation à double impératif qui semble contradictoire, mais en fait elles sont complémentaires. Donc aujourd'hui, nous avons préféré de mettre l'humain au cœur des discussions, des débats. Parce qu'il y a un certain nombre de défis et de challenges qu'il y a lieu d'anticiper. Et ceci sur la base d'un diagnostic et des constats faits par le Haut Commissariat au Plan, notamment concernant l'évolution démographique de la population marocaine. En 2050, nous serons à peu près plus de 43 millions d'habitants, contre 34 millions d'habitants sur la base de recensement 2017. Les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes qui auront un âge de 60 ans et plus, seraient à peu près de 10 millions de personnes. Soit un taux, si on ramène ça par rapport à la population globale, un taux de 23-24%. Donc une personne sur quatre aurait un âge de 60 ans et plus, contre un taux aujourd'hui de 9%, et qui était de 7% en 1994. Troisième constat, c'est que le taux de couverture retraite ne dépasse pas 42%. Ce qui reste très faible par rapport même au taux réalisé par un certain nombre de pays émergents. Et donc, partant de ces constats, il me semble qu'il est impératif d'engager des débats autour de ces questions. Un, d'abord pour sensibiliser les jeunes à la problématique de la retraite. C'est-à-dire comment les accompagner, les sensibiliser pour préparer dans les meilleures conditions leur retraite. Mais ceci est là un prérequis, un préalable. Et il faut assurer l'emploi à ces jeunes, parce que l'emploi est le levier le plus important pour préparer la retraite. Deuxième action, il faut que les pouvoirs publics, que le gouvernement, engage les mesures nécessaires pour améliorer le taux de couverture retraite, qui est aujourd'hui très faible. Et puis également, il faut que les pouvoirs publics, le gouvernement, anticipent cette évolution démographique concernant les personnes qui auraient un âge de 60 ans et plus. Parce que c'est quand la population vieillit, ça veut dire que les dépenses en matière de la santé sont plus importantes. Et donc il faut préparer et mettre à disposition les moyens financiers, mais également toutes les infrastructures nécessaire pour pouvoir prendre en charge cette population. Je répète, je rappelle, c'est une personne sur quatre aurait un âge de 60 ans et plus pour les protéger et continuer à assurer leur indépendance. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette problématique est prise en charge par les familles parce que nous allons des valeurs de la société, les valeurs de solidarité, d'entraide familiale. Mais la question qui se pose, est-ce que ces valeurs vont continuer dans le temps ou non? Donc tout ça, c'est des défis que, à mon avis, il faut qu'ils fassent l'objet des débats, des discussions importants pour pouvoir les relever et anticiper les évolutions futures. Et juste les valeurs de solidarité, d'entraide familiale entre générations
évolue. C'est tout à fait normal parce que la société évolue, les jeunes sont mobilisés beaucoup plus qu'auparavant. Avant, il y avait des liens entre trois générations. Dans un même foyer, on trouve au moyen 6 personnes, 7 personnes aujourd'hui et 64 parce que d'abord, il y a la réduction du nombre d'enfants, mais également la réduction du nombre des parents dans le foyer parce qu'il y avait justement cette nucléarisation des familles. Deuxième chose, c'est que le taux de couverture, elle est très faible. La couverture sociale, la couverture médicale, mais également la couverture de retraite, c'est très faible. Moi, je pense là, c'est vraiment l'un des défis majeurs que le gouvernement doit prendre en considération, notamment par en veillant sur l'amélioration du taux de croissance, pour création de valeur et création d'emplois. Je pense que c'est incontournable. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, il faut que ces jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin d'une sensibilisation, d'un accompagnement, d'une éducation financière. C'est, d'abord, c'est les pouvoirs publics, les employeurs, les caisses de retraite, les familles. Tout, c'est le rôle de tous ces acteurs-là pour justement permettre à une éducation financière de ces jeunes et les sensibiliser pour pouvoir préparer leur retraite dans les meilleures conditions. Ben, ça, c'est un objectif qui est fixé par le gouvernement depuis plusieurs années. C'est effectivement c'est d'aller vers deux pôles, un pôle public qui réunit le CMR et le RCAR, un pôle public qui va réunir le CNSS et la CIMR. Moi, je pense aujourd'hui, les réformes qui sont engagées et les discussions sont en cours pour justement mettre en place les mécanismes et les conditions qu'il faut pour pouvoir aboutir à cet objectif qui est de création de ces deux pôles-là. Merci à vous. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.